Vous me l'avez réclamé et je reçois parfois des demandes en ce sens, mais où rouler si on veut faire un petit peu de compétitif? Justement, je vais vous en faire une petite vidéo et vous recommander quelques ligues où vous inscrire, comment se lancer dans le compétitif, se faire repérer, etc. Je vais vous donner des éléments de réponse aujourd'hui, marquant aussi le retour de la série Drive Thru, l'émission où on parle de sim racing compétitif. Avant de démarrer, quelques prérequis sur des questions qui peuvent revenir. Non, vous ne serez jamais recruté comme ça par une équipe bien installée sans même avoir fait vos preuves. Il vous faudra d'abord tester les choses et obtenir des résultats pour passer du côté semi-pro ou pro. L'idée de la vidéo justement, eh bien, c'est de vous donner quelques ligues de référence que vous cherchiez à monter à haut niveau ou que vous ne fassiez ça que dans le cadre d'un hobby mais que vous cherchiez quand même quelque chose d'un peu compétitif. Pour ce faire, on va classer ça en 4 catégories, les monoplaces, le rallye, l'endurance et le GT que je mets à part. Je terminerai par un outil et des plateformes pratiques pour trouver la ligue qui vous correspond. Enfin, dernier disclaimer avant de démarrer, on n'abordera évidemment pas toutes les ligues ou toutes les simus, et d'ailleurs, dans chacune des catégories, il peut y avoir plusieurs simulations, hein, c'est pas forcément genré ou sous-classé là-dedans. Justement, n'hésitez pas aussi à partager eh bien, peut-être des ligues dans lesquelles vous participez, ou vous avez eu de bonnes expériences pour eh bien, partager ça auprès de la communauté. C'est vrai que ce que j'ai orienté est très internationalisé, moins français, j'en ferai peut-être une vidéo si ça vous plaît, dédiée côté francophone, vous me le direz dans les commentaires. Bref, cela est offre le contenu et on démarre tout de suite avec la catégorie des monoplaces. Qui dit monoplace dit forcément le jeu le plus populaire F1 22, qui est disponible sur tout support. Il y en a deux ici qui ressortent des ligues que vous voyez souvent si vous suivez aussi les réseaux de la Race Clutch, c'est le PSGL et le WOR. Le PSGL étant le premier Sim Racing League, qui est une ligue en fait qui est organisée par ni plus ni moins que Connor, qui est une des personnes qui travaille notamment pour une autre entité que Race Clutch, qui est Veloce, qui travaille aussi avec Mercedes AMG F1. Bref, c'est on va dire ce qu'était l'AOR, pour ceux qui connaissent, de l'époque. C'est la plus grosse ligue internationale sur F1. Ils ont plein de divisions. Donc, c'est forcément, si vous souhaitez vous faire repérer ou si vous souhaitez affronter les meilleurs sur la scène internationale, le PSGL, c'est un peu la ligue à laquelle vous pouvez pas couper sur F1. Le WOR est dans la même lignée. WOR pour World Online Racing. Eux sont, on va dire, un tout petit peu moins populaires que le PSGL. Cela dit, dans notamment le top niveau, on va quand même retrouver, dans la majorité des cas, des pilotes qui font souvent le double programme. Une troisième ligue que je peux citer, c'est l'ORL pour Online Racing League, qui elle a un petit peu perdu de sa superbe, mais qui pareil pour démarrer peut être sympa. L'avantage de vous en citer trois, c'est que selon les jours que vous avez de disponibles pour courir, chacune ne court pas le même soir, ils sont pas concurrents. C'est-à-dire qu'il y a une ligue qui va par exemple être le dimanche soir, une autre ça va plutôt être le lundi soir, une autre le mercredi soir, et ainsi de suite. Donc vous choisissez en fonction aussi de votre calendrier. Deux petites notes dans la monoplace, je continue sur F1 si vous avez pour X ou Y raison, un passeport polonais. Il existe la Polish F1 Series, qui sont en fait eh bien, le championnat de F1 national de Pologne, qui est super suivi. On a un de SimRacer qu'on coach chez Race Clutch qui y a participé. Olaf, en fait, c'est carrément un championnat avec des qualifications en ligne et une finale sur place en LAN, donc même plus que ce qu'avaient les F1 eSports Series elles-mêmes l'année dernière. Donc là aussi à connaître, on sait jamais. S'il y a des ressortissants plutôt espagnols ou même internationaux qui cherchent à participer à des ligues hispaniques, le Mundo GT est présent sur plein de plateformes différentes hein, d'ailleurs, et pas que de la monoplace, mais ils sont connus aussi forcément pour Formula One et avoir fait des LAN. Voilà, c'est des organisations que je peux citer qui vous seront utiles sur Formula One. On parle de monoplace, il n'y a pas que la F1 évidemment. Si on se dirige du côté de l'IndyCar, une ligue que je pourrais vous conseiller, c'est forcément le Lion Heart IndyCar. Alors attention, c'est une grosse ligue US, donc des horaires US, donc c'est super tard le soir ou super tôt le matin, tout dépend de comment vous gérez votre journée hein, évidemment. Ça se passe sur iRacing, c'est là où sont la majorité des gros joueurs d'IndyCar de ce côté-là, donc elle existe. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes un gros passionné d'américaine. En parlant de passionné d'américaine, et je sors du contexte de la monoplace, cette fois-ci petit cocorico drapeau français, on est toujours sur iRacing. Je ne dois forcément citer l'IFRN, qui est la référence côté Oval chez nous en France, qui est une ligue qui a différentes catégories aussi, donc vous pourrez y retrouver ce que vous voudrez.
Sur les monoplaces, je peux citer également sur R Factor 2 le Formula Sim Racing qui a différentes catégories, hein, du niveau World Championship au niveau plus amateur. C'est une ligue qui officie depuis 2008, je crois, sur R Factor 2. C'est ce qui permet aussi là, de repérer des pilotes qui peuvent aller au LMVS ou aller dans des catégories eh bien, de monoplaces sur iRacing ou sur d'autres jeux. On va dire que c'est un des championnats historiques de sim racing, donc en monoplace. Si vous cherchez encore un petit peu plus de simu, voilà ce qui est disponible sur R Factor 2. Sur le reste des championnats de monoplace, après, je vous donnerai encore une fois en fin de vidéo d'autres plateformes pour trouver tout ce que vous voulez, que vous soyez sur Assetto Corsa, que vous soyez sur iRacing, sur n'importe quel simu dans lequel vous avez de la monoplace, Project Cars par exemple et plein d'autres. Je vous donne un outil à la fin qui vous permettra de trouver la ligue qui vous correspond si vous cherchez autre chose. Quoi qu'il en soit, celle que je vous ai citée, côté e-sport, c'est les ligues qui sont un peu surveillées par les scouts des écuries et sur lesquelles vous êtes sûr que si vous participez, vous avez des chances de vous faire repérer. La deuxième catégorie, on passe sur tout terrain. Je veux bien entendu parler du rallye. Et sur rallye, on distingue trois grands jeux. Richard Burns Rally, WRC Generations et Dirt Rally 2.0. En termes de catégorisation, RBR, vous avez le championnat VRC pour Virtual Rally Championship, qui est en fait ni plus ni moins que l'équivalent du championnat du monde des rallyes version Richard Burns Rally. L'important en fait ici, c'est que si vous êtes bon sur Richard Burns Rally, même si c'est un jeu qui a presque 20 ans aujourd'hui, ça reste la plus grosse simu. Et donc, si vous êtes bon là-dessus, vous serez très certainement bon aussi sur Dirt ou sur WRC. Et du coup, en vue du recrutement pour les esports WRC, c'est souvent une ligue qui est aussi regardée de ce côté-là. Vous pouvez totalement transférer aussi d'ailleurs vos compétences si vous êtes bon là-dessus. Je pense en rallycross, sur e-racing, enfin dans à peu près toutes les autres disciplines, puisqu'il n'y a pas plus simu que RBR au niveau du rallye. Vous avez évidemment toutes les catégories hein, qui sont disponibles. C'est basé sur de mémoire sim rally fan. Si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez hein, dans les commentaires si je dis une bêtise là-dessus en termes de plateforme qui est utilisée par rapport à RBR et du plugin qui est associé au VRC. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous êtes un gros fan, franchement ça va pour le coup du niveau super professionnel à l'amateur, c'est vraiment l'expérience qui prévaut sur RBR. Ensuite, vous avez Dirt Rally 2.0 et WRC Generations. Là-dessus, la communauté que je vous recommande, c'est IWRC Chile, donc qui est une communauté chilienne qui est ultra active en WRC, qui anime des championnats en parallèle de l'eSports WRC sur les opus WRC d'ailleurs depuis déjà quelques années. On a des gars, nous, qui ont participé pendant quelques saisons. Donc franchement, communauté sérieuse, super active, super bonne ambiance aussi. Et c'est là où on va repérer typiquement bah, les joueurs qui pourraient potentiellement demain devenir dans l'équipe pro au niveau e-sport. Au-delà de IWRC Chile, après sinon sur les défis quotidiens, etc., qui sont disponibles de base dans les jeux, ça peut être aussi utile sur les leaderboards, mais ça va être valable pour l'ensemble des jeux. On va ensuite passer à la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est celle de l'endurance. Et qui dit endurance forcément dans les ligues qui sont repérées pour un passage davantage dans l'e-sport ou en team plus structuré, on va forcément parler de iRacing et de R Factor 2 qui sont deux plateformes où l'endurance est le plus privilégié, avec évidemment ACC. Mais ACC, je le mets hors de l'endurance, ne vous inquiétez pas, ne vous effarez pas dans les commentaires s'il vous plaît parce que je n'ai pas mis ACC dans l'endurance. Il sera dans une catégorie GT que j'ai mis à part tellement l'écosystème est gros par rapport au reste. Bien, je reprends donc sur l'endurance. Vous avez les 24 heures series sur iRacing qui est le championnat qui était anciennement le Neo Endurance Series, qui est le gros championnat de GT issu eh bien, de la série réelle hein, des 24 heures series, qui est un championnat de renom qui tourne depuis maintenant. Si je me penche sur Neo Endurance Series et remonte jusque là, je pense que ça fait peut-être bien plus de 7-8 ans qu'il doit tourner maintenant le championnat, puisqu'il tourne depuis un moment sur iRacing et qui est cette fois-ci en fait du multiclasse en GT. Il y a du TCR, il y a de la Porsche Cup, il y a du GT3. C'est une ligue de référence. Et si on veut chercher pour le PESC, par exemple, donc le Porsche eSports Super Cup, ou pour d'autres championnats du monde d'endurance, des special events, typiquement 24 heures series, on sait qu'il y a des gros pilotes qui y roulent. En tout cas, ça vous permet de vous frotter typiquement à ce qui se fait de mieux. Au-delà de ça, vous avez par exemple l'Ivra League, à laquelle on participe côté Race Clutch et on fait participer certains des pilotes Academy. C'est une ligue d'endurance là aussi qui mélange proto et GT, toujours sur du multi-catégorie dans ce cadre-là, et qui a supplanté ce qu'était le Sports Car Open, qui, alors malheureusement, effectivement, je le cite ici d'un point de vue plus négatif, mais qui s'est tiré une balle dans le pied parce qu'ils voulaient pas mettre de proto cette année et qu'ils avaient un coût d'entrée, puisque certaines de ces ligues sont évidemment payées en termes de coût d'entrée. C'est pas énorme hein, en soi en général, mais eux avaient essayé de mettre la barre un peu trop haute par rapport à ce que la ligue justement rapportait derrière. Donc l'Ivra, c'est une place pour le multi-racing où vous pouvez vous faire repérer, qui est un petit peu
peu au-dessus des endurances et du circuit classique que propose iRacing de manière automatique via son jeu. Si je bascule du côté de R-Factor 2, toujours en mélangeant prototype et GT, le Virtual Endurance Championship, forcément, c'est l'un des points importants. Je pourrais situer la Cup de Le Mans Virtuel aussi, qui se tient avec les LMP3 Ligier. Sur ces deux championnats, quoi qu'il en soit, alors l'un est un petit peu plus sprint, l'autre est vraiment endurance, vous avez besoin d'équipe en VEC. Mais là, c'est pareil. Si vous souhaitez vous approfondir dans l'endurance et être repéré par des teams qui courent ensuite en Le Mans Virtual Series, bah, typiquement, le VEC, c'est le championnat où il faut être du côté de R-Factor. Quatrième et dernière catégorie, alors forcément qui recouvre un petit peu de sprint, un petit peu d'endurance, je veux parler du GT. Et là, le GT, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a forcément Assetto Corsa premier du nom, il y a Assetto Corsa compétitionné. Là-dessus, je vous recommande une plateforme dont j'ai déjà parlé sur la chaîne sur comment faire du simracing son métier ou les bonnes sources en termes de simracing au niveau un peu plus international si vous cherchez des infos. C'est Simracing GP. En effet, vous allez avoir plein de ligues sur ce site-là et beaucoup de communautés qui sont référencées avec des classements, etc. de ce côté-là. On peut citer aussi la ligue AOR, Apex Online Racing, qui était avant la plus grosse ligue, notamment sur Formula 1, et qui était connue pour ça, qui a aujourd'hui aussi une ligue sur ACC, qui est assez bien installée d'ailleurs. Donc là aussi, pour basculer vers le SRO Championship ou ce genre de choses, bah, typiquement, vous allez retrouver des pilotes du SRO qui participent de temps en temps pour s'entraîner aux ligues de l'AOR ou à certaines ligues à ses côtés, et qui sont disponibles sur Sim Racing GP, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Si je continue à parler de la catégorie GT, ça dépend aussi de leur format, mais GTL, si je vais sur Gran Turismo, que j'ai pas encore cité à ce moment-là, ils pourraient rentrer entre Endurance et GT, du coup, hein, dans leur cas. Mais pour Gran Turismo, c'est une ligue internationale qui est assez connue, qui est de renom. Je connais bien les gens qui y travaillent et qui ont créé le championnat pour le coup, donc c'est des gens sérieux, si vous êtes plutôt sur PlayStation et sur Gran Turismo. Je ne peux pas traiter le GT sans reparler, évidemment, de iRacing, avec notamment les World GT Series, qui sont en fait organisées par Apex Racing Team, en tout cas une branche qui est Apex Racing League, je crois, de mémoire, parce que c'est différentes branches au sein d'Apex Racing, qui est aussi, lui, un championnat établi depuis très longtemps. Ils organisaient avant plein de championnats sur les Formule Renault 2.0, où il y a un mélange entre des fois sprint et endurance, entre différents formats, etc. Il y a aussi la Coupe de France du GT, par exemple, sur iRacing, qui est un événement communautaire qui est toutefois assez sympa et qui voit souvent d'assez gros noms d'iRacing se présenter. Mais voilà, côté GT, si vous cherchez bien des championnats, au-delà de ce que j'ai cité sur l'endurance, et si on se spécifie un petit peu plus sur ACC notamment, et sur quelques ponts 100% GT sur iRacing, encore quelques ligues qui peuvent faire l'affaire. Voilà donc pour ces 4 catégories. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si vous en avez à en rajouter, d'autres expériences que vous avez eues dans d'autres ligues avec d'autres pilotes. Le but, c'est vraiment d'échanger ensemble sur tout ce qui se fait en fait actuellement dans le sim racing et bien de s'entraider sur ce sujet-là. Autre point aussi pour vous faire repérer, il n'y a pas forcément besoin d'être toujours dans une ligue. Vous avez effectivement sur certains jeux des systèmes automatisés qui permettent en fait de vous donner un rating. Typiquement, c'est le cas de iRacing. Et sur iRacing, si vous voulez vous faire repérer, au-delà de ça, vous savez que tous les vendredis soirs, il y a le Prime Time Race Spot, donc une catégorie qui est votée par la communauté pendant toute la saison. Cette saison-là, c'est l'IMSA, par exemple, qui est mis en avant sur le Prime Time du vendredi soir avec un top split et donc qui peut vous permettre, si vous commencez à déjà avoir un peu d'i-rating et un peu de niveau, de vous faire repérer et de vous frotter, on va dire, au haut du panier de ce côté-là. Autre mode, si vous n'avez pas i-racing, j'en ai parlé assez peu lors d'une précédente vidéo, mais le mode de LFM, de Low Fuel Motorsports, qui aujourd'hui, eh bien, propose plus ou moins le même système que i-racing avec un calcul de rating pour R-Factor 2 Assetto Corsa compétitionné. Ça vous permet d'être directement repéré sur ces ligues-là aussi, au-delà de ce que je vous ai cité précédemment, et d'avoir un ranking, puisque majorité des pilotes compétitifs sont présents pour le coup sur ces jeux-là, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à utiliser les systèmes automatiques qui sont dispo sur les plus grosses simus, évidemment. C'est pas quelque chose qui va se toucher sur console. Enfin, le dernier outil que je vous conseille, je vous en ai légèrement parlé dans la vidéo sur les sources, c'est l'outil GridFinder. C'est un outil qui est super utile, qui est en voie de développement, qui a levé un petit peu d'argent. En fait, si vous voulez, c'est une plateforme qui référence l'ensemble des ligues de sim racing qui sont présentes dans le monde. En tout cas, c'est leur objectif. Et ensuite, vous avez simplement sur votre téléphone à sélectionner sur le site votre plateforme, donc vous soyez PC, Xbox ou PlayStation, votre jeu, votre jour de course, et vous pouvez même sélectionner la
région géographique sur laquelle vous aimeriez que la ligue soit organisée. Autrement dit, c'est de l'ultra personnalisation de ligue, et avec l'outil de Grid Finder, vous ne pourrez plus ne pas trouver en fait une ligue qui vous correspond. Et je pense qu'au-delà de toutes celles que j'ai citées, qui vont être utiles notamment pour vous faire repérer par une structure e-sport, ou en tout cas vous frotter à eh bien, des simracers d'un certain niveau qui ont la volonté de passer du côté compétitif, Grid Finder, peu importe qui vous soyez, que vous soyez plutôt du côté fun, du côté e-sportif, il vous permettra de trouver pléthore de ligues, vraiment pour du fun, sans forcément cet aspect ultra compétitif, mais avec un petit aspect quand même classement et une petite grind quand même, parce qu'on aime bien s'améliorer, voilà. N'hésitez pas à y aller, je vous mets un lien dans la description, et n'hésitez pas, si vous êtes aussi organisateur de ligue, à vous faire référencer sur Grid Finder, parce que franchement, je pense que c'est un outil qui a énormément de potentiel pour enfin centraliser les milliers de ligues qu'il peut y avoir sur différents territoires au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, voilà. Grid Finder, c'est vraiment le truc qui peut vous aider sur ce sujet-là. Voilà qui conclut donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair dans eh bien, le pêle-mêle de championnat qu'il peut y avoir. N'oubliez pas l'abonnement, de liker la vidéo et de commenter et partager si vous l'avez apprécié, ça aide toujours la chaîne à grandir. En attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Richard, et ciao tout le monde.